Gérard Cardier, bonjour. Vous êtes rotarien, un ancien rotarien depuis plus de 20 ans. Parlez-nous de cette opération que l'on appelle atelier entretien d'embauche qui a lieu cette année encore au lycée Colbert à Lyon. Quelques mots sur cette opération, son origine, qui l'a créée et quelle est la motivation? Alors, à l'origine, cette opération existe depuis à peu près 25 ans. En ce qui me concerne, je m'en occupe à peu près depuis 20 ans. L'idée, c'est de présenter aux élèves, élèves BTS, donc qui ont entre 19 et 21 ans, première, deuxième année, présenter des professionnels. Voilà, les élèves sont bien formés au lycée Colbert, qui est un très bon lycée. L'idée, c'est les faire rencontrer des gens comme nous qui, dans nos professions, on recrute, on embauche. Quelques mots, quelques chiffres plus exactement, combien d'élèves dans ce lycée, combien d'élèves viennent, enfin, ou d'étudiants viennent aux entretiens d'embauche, combien de rotariennes et rotariens disponibles pour expliquer leur métier, mais surtout pour aider les jeunes à bien simuler un entretien d'embauche. Alors, au tout départ, il y avait à peu près 40 entretiens, quand ça démarrait il y a 25 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à 142. Entretiens. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à nos amis des clubs Lyon-Est, Lyon-Sud et Rotaract International de nous donner un coup de main. Et aujourd'hui, on est à peu près sur une trentaine d'intervenants. Comment définir et quelle est la perception des étudiants à l'endroit de ces entretiens, ces simulations d'entretien d'embauche? Alors, au tout départ, ils sont un petit peu sur le recul, un peu impressionnés. Bien entendu, rapidement, on les met à l'aise. Et ils ont une très, très bonne... On est très, très bien perçus, car ils se rendent compte qu'en fin de compte, que tous, plus ou moins dans nos professions, nous avons réussi. Et ça leur fait plaisir d'écouter nos conseils. Allez, un mot de conclusion, Gérard Garnier. Écoutez, c'est une très belle opération pour tous les rotariens et rotariennes. Et on en sort vraiment rempli. Et surtout, une très belle opération à l'endroit des jeunes où on a remarqué quand même ici, en particulier dans ce lycée Colbert, qu'on a des très belles personnalités, pas uniquement dans le cerveau, dans les connaissances, mais également dans le comportement. Oui, oui. Et quand on sort de ces entretiens, vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment un rotarien.